Salut tout le monde, nous voici donc rendus au deuxième épisode de Metroid à la Nintendo, le Blind Play. Donc, on va espérer de pas trop se planter. Oh merde! Bon, je pensais que ça allait bien aller, je pensais qu'on allait survivre, mais finalement, on est mort dans des atroces souffrances. Ah, c'est curieux, je recommence ici. Ok. J'ai cliqué sur Start, je me disais, coudonc, j'espère que j'ai pas perdu tous mes objets, mais finalement, non. Donc ça m'arrange quasiment d'en commencer ici, j'avais pas envie de tout en refaire. Mais tout en refaire la salle qui était difficile à faire. Donc ce maudit bébête là, on va essayer de pas trop se mettre dans son chemin. Ah ah, je t'ai croque bloqué, bitch! Bon ben, on recommence la longue ascension vers le sommet. En espérant qu'on se rende. Wow! Hey, j'ai manqué un jump, c'est la fin! Bon, cette fois-ci, je pense qu'on va se diriger vers en haut. Il me semble qu'il y avait une porte rose dans le premier épisode que j'ai fait hier, non? Vous deviez peut-être vous en souvenir, mais on avait une porte. Ah, fuck. Comment on fait déjà? Ok, ça a fonctionné. Hey! Donc voici notre premier objet, le L. Comment on équipe ça, le L? Ah, ben regardez, c'est comme Mega Man dans le fond, nos shots se rendent plus loin. Je pense qu'il est équipé automatiquement. Je vois pas comment l'équiper d'une autre manière. Fait qu'on va dire que c'est équipé automatiquement. Ah ben ça va être utile. Super. Crève. Ah merde. Ah, come on! Oh, les trolls, je pourrais pas l'atteindre. Oh, les salauds. Les coquins. Bon, ben, je suis encore mort, désolé. On a eu le temps de venir chercher l'objet. Qui va nous aider très fortement à accomplir nos tirages. Et avec ça, on va peut-être pouvoir avoir plus d'énergie. Megaman pouvait avoir deux tirs en même temps, mais Samus peut en avoir trois, fait que... C'est le fun. Ah, merde. Qu'est-ce que... Je pense pas qu'on puisse aller en bas tout de suite. Ceux-là, ils pourront pas faire grand-chose. Et d'un autre côté, je vais attendre qu'ils droppent à terre, comme ça, je vais pouvoir leur voler. Leur énergie! Oh.
super, on commence à avoir un peu plus d'énergie. Toi et mon cochon, là, qu'est-ce qui caline, dis donc, ben ninja. Eh oui, hey, ça fait vraiment la différence. Avec ça, ça rend le jeu pas mal. Pas mal plus. Pas mal plus Mega Man. On va laisser nos missiles-là. On a une limite de 10 pour le moment. Dans mes souvenirs, il n'y avait plus rien en haut, donc on va continuer par ici. Ah, puis là, où est-ce qu'on va? Bon, on va aller voir en haut, pourquoi pas. Pas s'il y avait un truc en bas non plus, mais bon, on va aller voir en haut. On est parti pour ça. Bon, là, on commence à avoir un peu plus d'énergie. C'est hiver. Oh shit. Bon, ça va, j'arrive à les éviter. Bad moves. Essayer de les tuer, on va voir s'ils nous drop des trucs intéressants. Ha! Trou de cul. Bon, ça me sert à rien. Bon, ça, c'est une place, c'est qu'on peut faire un genre de wall jump. Pas s'il y avait des wall jumps dans ce jeu-là. Ah, on peut passer en dessous. J'étais un peu con. Ah. Wow. Voyons, putain. Bon, mais on dirait que notre escapade pour cet endroit-là se termine. Oh, puis les ticounes sont de retour. Oh, ils sont deux. Bon, on va les laisser aller se faire l'amour par là-bas, là, puis on va simplement continuer notre quête. Ah, c'est vrai, je peux pas tirer par en bas, moi. Y a rien ici. D'autres missiles, on n'a pas besoin de ça. On va aller voir par en bas. Je pense qu'on a déjà été là-bas. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est pas là qu'on a été tantôt. Je veux dire au début de la vidéo. J'espère que non. C'est le cas, ce jeu est un peu mêlant. Oui, on est déjà venu ici. Bon, ben, on retourne sur nos pas, puis on va aller explorer ailleurs. Si on réussit à éviter ces... Putain. Ouais. Oh, toi, je te laisserai pas vivre. Trop, c'est trop. On va aller vérifier en bas. On est en bas complètement. Donc, la porte que j'étais tantôt,
ce que je disais, on va descendre. C'était la bonne porte qu'il fallait prendre. On va aller voir. Bon, je dis c'était la bonne porte, mais peut-être qu'il n'y a rien en arrière aussi. On ne sait jamais. Des bulles, ok, je pense qu'on n'est jamais venu ici. Caroline, ils ont de l'énergie ces gogosses-là. Et merde. Tu vas mourir. Bad move. Comme un short site, moi. J'étais quasiment arrivé. Bon. On va s'y rendre une dernière fois. On va aller voir ce qu'il y a en arrière de cette porte-là. Puis après, ça va être la fin de ce deuxième épisode. Bitch! Tiens. Faites ça juste pour le tuer. Ce serait peut-être une bonne stratégie de me soigner à l'avance. Mais bon. C'est d'atteindre mon max de HP. Caline, lui, une portée de fou. C'est ma voix, mais c'est toi qui t'es fait avoir. C'est une blague. Ah ouais, viens ici. Oh putain, c'est pas vrai, il m'a touché. Je voulais trop avoir son énergie. Pour le moment, le jeu, je trouve, il devrait nous donner un peu plus d'énergie. Genre, nous commencer à 100, ça aurait été... une bonne affaire, mais bon. Je suis content que ce soit pas de la difficulté de Ghosts and Goblins. C'est une bonne affaire. Non pas que je déteste Ghosts and Goblins. J'ai tellement joué que je suis capable de facilement terminer les trois, là, mais... encore des missiles qui disparaîtront. Bon, je sais pas s'il y a un truc en haut, mais on va s'en foutre, puis on va aller checker la porte. On est mort tantôt en espérant pas recrever. Bien. Là, on va ignorer les petites putes, là. Fuck you, pute. Ah ah! Ah! Ah ben, ça s'est fait très bien. Come on, si c'est quoi ça? Ok, je m'en vais. Il a réussi à me toucher. Il m'a retouché, hein? C'est quoi? C'est donc ben... c'est donc ben poche. Je dirais qu'ils sont programmés pour s'arrêter un peu entre vols, juste assez pour me toucher. C'est clair et net qu'il y a un complot là-dedans. Oh, t'as failli m'avoir. Ah oui. Je n'exclus pas la possibilité d'un complot à cette situation. Bon, ben on a réussi. Ok, là, je suis pas mal sûr, il y a un complot. Et ça doit être la salle joke. Où c'est qu'on a refait la salle 40 fois, là. J'aime pas ça, ce genre de petite joke plate, là, mais... on va mourir ici.
Ah non, c'était pas une sale joke. Hey, c'est de l'énergie. Ils ont utilisé le même, exactement la même affaire que dans Super Metroid. Ah ben c'est super, il y avait de l'énergie. Notre prochain épisode va être plus facile à faire. Voyons. Au moins j'ai plein d'énergie, ça va être plus facile. J'espère qu'ils vont pas encore me recommencer à 30, les cochons. On va aller voir ce qu'il y a ici. On va terminer l'épisode si on trouve un save. As-tu des saves d'ailleurs dans ce jeu-là? T'es mort, toi. Ha-ha! Select. Bon, mais ben, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, déjà un autre objet. Hey, c'est le fun, ça. Ah, ça, c'est sûrement... sûrement le Gogos. Yeah, c'est le Gogos. C'est un truc ici? Non. C'est un truc à quelque part. C'est ça, je me souviens de Super Metroid, c'est qu'il cachait des trucs à peu près partout, puis fallait être un vrai ninja pour toutes les trouver. Ah putain, dites-moi pas que je me suis coincé ici. Ah, peut-être comme ça. Ah, c'est donc ben poche, ça, je suis coincé. Oh yeah! Bon, on s'est décoincé, hey! Ça niaise pas avec la POC, ça, aussi. Oh, fuck you, toi. Ah ah! Oh, on dirait que la vidéo va être plus longue que je l'aurais pensé. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose par là-bas. Ne nous reste plus qu'à retourner sur notre chemin. Ça irait plus vite que j'aille me tuer pour en revenir, mais ça me tente pas. On va essayer de continuer. S'habituer un peu avec le gameplay en même temps. Ah! Fuck you! Ah oui, ils ont fait exprès de te placer là, toi, hein? Bon, il doit avoir un ticoun. Ah, il y a même pas de ticoun. Ah, il cite, là! J'ai vu la seule vidéo où c'est qu'il y avait un truc ici. La seule vidéo que j'ai jamais regardée de ce jeu-là. Là. Il y avait un fucking truc ici. Bon, qu'est-ce qu'on a ici?
petite abeille encore plus fif que cette grosse abeille-là. Bon. Merci. Il me manquerait un missile. Wow! Peut-être plus fif, mais il est plus rapide en tout cas. Go, go, go! Encore un objet. Qu'est-ce que c'est ça? Bon là, dites-moi, y a-t-il un truc de caché, là? Un truc là-bas, en tout cas, ça c'est clair et net. Wow! Wow, hey! C'est un bug, ça? Peux-tu avoir accès à un inventaire, moi? On dirait que non. Bon, mais j'ai trouvé le laser de glace. Cool, ça les fait exploser dans d'atroces souffrances. Bon, ça gèle les ennemis, c'est exactement comme dans Super Metroid. Comment je fais pour revenir ici? Wow! Comme ça. Voyons, comment ça je tombe? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je pourrais remonter comme ça? Bon ben, c'est la fin de cet épisode, on va s'entraîner, on va se combattre contre ces redoutables créatures jusqu'à ce que mort s'en suive. Ok, tu es forte. Oh, j'ai péri contre toi. Et dans le prochain épisode, on va essayer de continuer ça.